Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, enfin ce soir, on va s'ouvrir le coffret Eternatus VMAX. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est magnifique, vraiment il est magnifique. Donc je l'ai déjà pré-ouvert. Comme ça on commence direct. Les sleeves. Là, on est sur du important. Hop. Très important parce que vous allez voir, les promos sont vraiment merveilleuses et je pense très clairement que c'est ma promo préférée, vraiment. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir, ça passe toujours comme ça avec moi. Alors, du coup, les promos. Hop. Donc la première, la plus belle, c'est la Full Art Eternatus, donc c'est la 44e, elle est juste sublime, les couleurs sont sublimes, vraiment, waouh, vraiment. Hop, on lui met une sleeve directe, je veux pas l'abîmer, mais vraiment, ouais, c'est la plus belle, oh, j'aime trop, je suis amoureuse de cette carte, vraiment. Hop. Et du coup, la deuxième. Donc la deuxième, c'est aussi hop, la Jumbo. Donc c'est Eternatus VMAX et c'est la 45e. Elle est vraiment nice. De toute façon, Eternatus, ce Pokémon, je le trouve vraiment majestueux, quoi. Enfin, ouais, il envoie du pâté. Hein. Tac. Du coup, elles sont magnifiques. Et puis bah, la Jumbo, donc en grande carte. C'est comme ça que je viens de vous montrer. Voilà. Donc hop, on va mettre de côté. Et du coup en termes de booster, ah oui pardon, j'ai oublié, le Pins Eternatus qui aussi est sublime, franchement je le trouve trop beau, vraiment il est bien fait quoi, non, il est vraiment beau, ouais. Et du coup alors on a deux ténèbres embrasées, un invasion carmin, un ombre ardente, tenez le code du coffret, et alliance infaillible. Donc peu importe, on s'en fiche, on va juste faire ténèbres embrasées en dernier, puis j'espère qu'on va avoir quelques bonnes cartes, ce serait pas mal, même si là du coup le coffret je l'ai vraiment acheté pour les promos qui sont magnifiques, donc après si on peut avoir des bonnes cartes ce serait génial. Allez, c'est parti. Tenez, le code. Alors, on commence avec une énergie feu. Noir Fang, Electek, Mon Lanakila, Spododo, magnifique. Bacabo, Venipat, Hippotrempe, Thiboudet. Rogada en rare reverse. Ok, on commence avec une rare reverse. Et bien, ce sera un Dentikris qu'on a déjà, il me semble, en rare. Ok, on passe à Alliance Infaillible du coup. Hop. Oh là là, j'ai déglingué de booster. N'importe quoi. Bon, ok, je ne veux pas du tout se remettre correctement, c'est pas grave, passons. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, énergie, psy, matoufeu, tétarte, ortide, cornèbre, mystère, feu forêve, tritox, chaglam, raichu, encore une reverse rare, et ectoplasma en rare qui est super belle. Oh, pas mal du tout. Ok, donc ce sera pas pour celle-ci. Ce serait bien d'avoir dans Ténèbres Embrasées, hein. J'aimerais bien s'il vous plaît, parce que bon, Ténèbres Embrasées, on vous connaît, vous n'aimez pas trop Mogo. Tac. Mais s'il vous plaît, je veux une ultra dans Ténèbres Embrasées. Alors, énergie assis. Emolga, oh, j'ai du mal ce soir. Gros Ray, Pachmia, Chamallow, Chien Chidou, trop mignon,
Feu Forêt. Ah oui, celle-ci elle est magnifique, vraiment vraiment trop belle. Feu Forêt là. Raikaiju d'Alola, Pikachu, Aspico en reverse et Lansargo en rare. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Je ne sais pas. Bon, allez. On passe à Ténèbres Moisées. On n'a rien mis dans le reste, donc c'est qu'il reste peut-être du Ténèbres Moisées. On aura peut-être quelque chose en Ténèbres Embrasées. Ce serait quand même sympa. Ce serait même très bien. C'est même obligatoire, puisque je ne pars pas sans rien. Hein. Ça va pas le faire, les gars. Faut arrêter hein, de me faire ça. Diamat, Infect, Soin de l'éleveur Pokémon, Tic, Skitty, Feuille à joue, Gringolem, Sœur Bébé, Darkrai en reverse, donc rare reverse encore une fois. On a de la chance sur les reverse et... On va voir si Dracofeu a un peu quelque chose dans son ventre. Ce serait pas mal du tout. Ce serait pas mal du tout. Tac. Allez, Dracofeu. En général, Dracofeu, il en a dans le bide. Alors, Feuilloutant, Floutoutant, Bleuzeille, Carabigne, Marimaron de Galard, Ambrilex, Goupilou, Croquine, Dedenne en reverse, oui! Et. Eh bien non. Si, yes! Galeking en holo. Galeking en holo que je n'ai pas. Non, je l'ai pas. Donc Galeking en holo. Ok. Donc on aura une holo et une ultra sur 5 boosters. Ok. Dans un coffret. Nice. Nice, nice. En plus, ça a l'air d'être une belle ultra. Allez, c'est parti. Yes. Yes. Alors, entre je n'ai jamais rien dans Ténèbres Embrasées et j'ai tout le temps Dratag dans Ténèbres Embrasées, je ne sais pas ce que je préfère. Hein. Bon bah elle va aller direct à l'échange parce que j'ai un pote qui avait 6 Aiox VMAX en double donc je pense que ça va partir là-dessus. Hein. Ah là là. Non mais c'est très très bien, c'est très bien. Franchement c'est très bien. Ça me fait juste rire parce que c'est drôle quand même. On va pas se cacher, c'est drôle. Mais c'est très bien. Et du coup, on n'oublie pas les deux VMAX et Full Art Eternatus qui sont genre magnifiques. Et que vraiment, c'est pour ça que j'ai acheté ce coffret, parce que je voulais absolument trop trop belle. Je voulais pas passer à côté de celle-ci. C'est vraiment, vraiment ma préférée. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle est magnifique. Magnifique. Bon, sur ce, c'était une ouverture pas trop dégueu. Hein, vraiment, franchement, nickel. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.